Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Rick Couvable, j'espère que tout le monde va très bien. Bon ça va, j'espère que tout le monde a la forme. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur comment refaire une batterie qui est abîmée. Donc, ce n'est pas dur du tout, vous allez voir, je vais vous faire voir ça. Donc là, j'ai la cigarette électronique de maman Vapette. Et la cigarette électronique de maman Vapette. Un petit souci. C'est que vous voyez la batterie, à force de l'enlever, de la remettre pour la charger, elle s'est esquintée. Elle est esquintée tout autour. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Tout autour, elle a un petit souci. Vous voyez, surtout ici. Surtout ici. Attendez, je vais essayer de bien vous le faire voir. Vous voyez, elle a un accro. Donc, ce que je vais faire, ben, je vais essayer de la réparer. Donc, pour ça, il vous faut simplement ce genre de petit scotch, vous voyez, qui va se coller donc, sur la batterie. On trouve dans tous les commerces. Hein. Et puis, un bon sèche-cheveux. Voilà ce qu'il vous faut. Donc en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est démonter donc l'ancien, bien sûr. Donc ça se démonte assez facilement, théoriquement. Vas-y, j'ai pas pris la paire de ciseaux, alors ça va pas être commode du tout, je pense. Et puis là, je suis dans la chambre de Vapette, mais j'ai pas l'impression qu'il y a des ciseaux. Alors, on voit les moyens, hein. Voilà. Voilà. Donc vous enlevez l'ancien. Alors ça, faites-le, je vous recommande de le faire vivement si votre batterie est esquintée. Parce que ça devient dangereux si vous le laissez vraiment se détériorer. Il faut vraiment que ça soit fait. Hein, parce que bah, c'est pas mal ça. Il vaut mieux le faire que votre cigarette électronique vienne vous oupter. Hein. Je vous explique pas. Hein. Donc on démonte tout ça. Donc avec un ciseau ça vient très bien, hein. Moi j'ai oublié de prendre le ciseau, voilà, d'accord. Voilà, donc vous vous retrouvez avec une batterie comme ceci, et la mienne commence à esquinter un petit peu, et quand elle fait comme ça, elle est un petit peu sale aussi, voilà, donc vous allez vous retrouver avec ça, d'accord. Donc on va donner un petit coup de vape. Voilà. Donc ça, en fin de compte, c'est pour pouvoir changer. Ça, a priori, j'ai l'impression que c'est à peu près la même matière que ce que je viens d'enlever. Dans les commerces, vous en trouvez. Hein. C'est vraiment pas cher. Ils les vendent en paquet, je crois qu'il y en a plusieurs dedans. Voilà. Donc, ce que vous faites, vous l'ouvrez. Vous passez votre cigarette, votre batterie à l'intérieur. Vous allez voir, je fais la vidéo, je ne vais pas y arriver. Et voilà. Donc on passe à bateau. Comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, là, ce qui est important, c'est bien le positionner. Vous voyez, ça dépasse un petit peu devant, vous voyez, comme ceci. Et ça dépasse un petit peu à l'arrière, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, tout simplement, je vais prendre mon sèche-cheveux et je vais le chauffer. Voilà. Allez. Ça va arriver. Et après, je fais le thank you.
Donc je vais vous dire, j'étais en train de réfléchir, ça je l'avais acheté chez Harumi Liquide. Harumi Liquide en ont, ils le font et ils sont très très bien. Voilà, vous voyez, regardez. Ça a bien pris, en fin de compte, comme neuve. Elle est comme neuve. Donc, il faut que je redonne encore un petit coup ici. Vous voyez, regardez, ça n'a pas assez plaqué. Donc je vais redonner un petit coup encore. Elle est parfaite, vous voyez? C'est parfait. C'est parfait. Et avec ça, vous ne craignez plus rien. Vous risquez pas de... Je vais remettre un petit peu droit. Voilà. Vous risquez pas de vous trouver avec... si elle vient éclater comme ça, là, vous êtes tranquille avec ça. Ça bouge pas. Hein? D'ailleurs, moi, je vais vous montrer, c'est pareil. Hein. Voilà. Et j'avais fait la mienne. Qui était esquinté également, bon c'est pas le même, mais c'est pareil, voilà, vous voyez. Et moi je l'ai fait il y a déjà pas mal de temps, il y a à peu près un mois et demi, ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé. Voilà, donc ça évite bien tout accident, hein. C'est vrai que c'est une chose qui est simple à faire, autant le faire du moment que, vous voyez celui-là je ne l'ai pas encore fait parce qu'il n'est pas esquinté. Il est presque neuf, donc celui-ci il est pas esquinté. Mais le jour qu'il sera esquinté, je ferai pareil, je ferai sauter le plastique qu'il y a dessus. Et bah, je ferai exactement pareil, je le chaufferai. Voilà. Je pense que bon, ça pourra vous servir. Hop, je remets. Vous allez voir, ça fonctionne très très bien. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Regardez. Et voilà, et maman va péter, elle sera toute contente. Oh, bien. Impeccable. Impeccable, impeccable. Voilà. Voilà. Ça prend 2 minutes à le faire. Vous évitez tout accident avec. Vous êtes tranquille avec ça. Voilà. Il vous suffit juste d'acheter donc ce petit enrobage qu'il faut mettre autour. Vous craignez rien du tout avec. Une fois que c'est fait, c'est simple. C'est très très simple à faire. Moi, je vous recommande de le faire si vous avez des problèmes avec votre batterie. Voilà. C'était Ricouvap. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, n'oubliez pas de mettre le petit j'aime, de vous abonner. Ça me ferait plaisir si cela n'est pas fait. Et voilà, c'était Ricovap. Ah ouais, oui. Faudrait peut-être que je la rallume. Non, ce n'était pas tout à fait Ricovap. C'était pas encore Ricovap. Ça va être Ricovap. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors là, je vais vous dire, c'était Ricouvap! Passez une excellente journée. Et puis j'oubliais, très bientôt, je vais recevoir des produits de Bioconcept. Donc je vous ferai pas mal de vidéos sur tout ce qui est produits nouveaux de Bioconcept, parce que Romain m'a envoyé un message comme quoi il allait m'envoyer des produits. Ça va être impeccable. Je vous ferai tout ça. Et puis on regardera exactement ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Passez une bonne journée. N'oubliez pas d'aller sur mon Facebook. Aussi. De mettre des petites recettes, vous pouvez même les mettre sur les commentaires. Hein. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je vous répondrai. Il n'y a pas de problème, je suis actif sur ma chaîne. C'était Ricova, passez une excellente journée. Et n'oubliez pas, hein, protégez-vous avec les accus. Hein. Voilà, c'était Ricova.